Avis de recherche qui était lancé contre plusieurs gangs dans le pays, notamment Agivitla, qui est la donne Peterson et Mackenzie, alias Tifetia. La police dans le nord a une information qui était fait quoi que M. Sayo a opéré tambour battant dans la zone Madras, qui est dans le département nord-est. La police tape suivre et monsieur arrivé dans la zone Madras, bandit ouvert feu sur la police. Et la police de son côté riposté. Malheureusement, opération ça a fait que Mackenzie Silmono, alias Tifetia, monsieur mortellement blessé. Pas balle. L'autre bandit qui était dans l'échange de tir, qui était en train de la fuite, mais il y a une information que nous avons cherché à vérifier dans l'opération ça. Et l'opération ça a été soldée par deux arrestations. C'est Pierre Madeleine, qui a 47 ans, et Saint-Pierre Chednel, qui a 19 ans. Maman et petite. Ils ont arrêté pour association de malfaiteurs. Deux personnes, c'est deux personnes qui habitaient Konasa. Et nous connaissons à la suite de ce qui s'est passé Konasa, côté de Konasa, ils étaient habités dans la zone Madras. Et bandits, c'est monsieur dame, c'est eux-mêmes qui ont pris soin de bandits. Ils vont manger. Si vous blessez par balle, c'est eux-mêmes qui cherchent les gens pour faire soin. Donc la police, dans l'enquête, te connaît que ce type de monde ça va fonctionner avec les bandits Chadayo. Donc, vous mettez mes yeux pour aller répondre à la question de la justice. Dans ce cas, avec Mackenzie Almonor, alias Tifetia, individu ça, c'est un qui a plusieurs dossiers sous dôle. Par exemple, 26 décembre 2020, c'est lui qui t'a tué par balle l'inspecteur Telfo Ferrer, qui était responsable pays. C'est même individu ça, Almonor, qui était tiré ancien policier Léon Jacques, qui sont qui était devenu un businessman dans rue 5 et 6L. Donc j'étais porté aller des corps qui étaient dans main et businessman. Information nous avons toujours, c'est lui-même qui t'a tiré policier Abdias, qui était affecté dans Polifron dans la zone nord-est. Et là nous avons cherché information toujours. Nous te joignons que c'est Mackenzie Almonor alias Tifetia qui était tué par balle Claudette Préville et Thomas Lozier, deux personnages qui étaient sortis aux États-Unis dans la date qui était 10 octobre 2020, et sur route nationale là en face et Riel Nazareth 21. Donc c'est un individu qui chargé avec dossier sous dol, puis fort Zach qui t'a fait la ville là, braquage, c'est lui-même qui t'a à la tête de bandit groupe bandit. La police dans la zone et Grand Rivière du Nord, alors dans la commune Grand Rivière du Nord, procédé à arrestation yon chef gang qui était affilié avec groupe Agivit, Jean-Luxon alias Sonson. Et nous avons des informations qu'il était impliqué dans la mort de tonton Louis Doméis, qui était faite dans la Grande Rivière du Nord, alors dans la section communale de la Grande Rivière du Nord. Donc, individu ça, on a répondu à une question de la justice pour yo ka dit effectivement qui ça, dans qui ça, yo impliqué. Donc, nous-mêmes, nous avons des informations pertinentes que c'est des gens qui sont impliqués dans le type de actes que ouais, nous sommes cités là. Merci. Il est que la police a fait arrestation et écoutez, on sait qu'un petit bon porte va jouer une arrestation. Confirmez-le. Et information ça, il est arrivé jouer nous, effectivement, mais il a semblé que c'était la police dans le nord-est qui voyait l'information, mais l'information va confirmer. Les gens qui ont été interpellés, c'est un autre individu qui semblait avec elle, mais il a été interpellé pour contrôle d'identité, mais ce n'est pas lui-même réellement. Donc la police a continué à chercher monsieur. Nous connaissons la police à fond travail longtemps pour avoir inspecté le mourir, mais nous avons tout le monde arrêté ce dossier. Alors, nous n'avons pas de chiffres là, devant nous, là, mais il y a un peu de monde dans le cadre du dossier inspecteur
qui a arrêté déjà. Mais et Mackinson lui-même il est en parlé, il dit effectivement c'est lui-même qui tue amène inspecteur. Donc vous connaissez, il y a une association qui a fonctionné, son groupe Agit Vite qui est dans le bloc et l'Est et Cap Haïtien qui a fonctionné. Donc autant que et n'a mettez main sur autant que n'a bien information. Mais nous on dit il est mort, mais pas faire parler pour dire que c'est avant nous te gueta gain information sur lui. D'accord. Avant de gueta faire. Il pas mourir tout de suite, tu te gueta mener l'hôpital. D'accord. Maintenant en faut pas parler pour des sacs gain avoir à San Bay. Vite d'être nous marquer pour presque sans plus d'avoir fait pour des machines, il y a plus de machines mais au cap nous pas c'est pas gain qui fait. Est-ce que au cap pas dans la tente bien c'est encore plus. Au cap dans mes yeux, parce que si vous regardez le premier monde après que détecté machine, après que je finis de parler de et dossier ça dans la radio Contact Inter, c'était moi-même. Directeur départemental de la tête qui était devant, moi je viens de suivre, commissaire, assistant, suivre, etc. Donc, si vous avez quelques monde qui pourront détecter, je m'assure que la police a travaillé. Et ou a regardé sur les réseaux sociaux ou a regardé en pile opération que la police est amenée dans Kassa. Matin devant et local IDMOA, la police a fait une opération comme ça. Et moi, je ne peux pas quitter les blagues. Donc la police a détecté toute machine qui naviguait. Donc les policiers ont tout qui gagne une machine qui a pris la police a détecté tout le monde. Sauf ça qui a un problème sans plaque là, c'est que la police saisit question ça. Mais mon problème jusqu'à présent, que pour qu'on résoudre, il y a un peu de monde qui a peut-être capable de plaque, c'est des gens qui font des demandes de plaque qui pour qu'on gagne. Mais la police a pris toutes mesures pour contrôler le type de machine ça. Ok, vous avez fait une machine en fait 6 mois, 1 an sans plaque, est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas une plaque là toujours ou bien c'est la police qui voulait la plaque là? Normalement, si moi information comme ça, je vais bailler que la police a arrêté. Parce que nous avons des là, sous côté dans le service de circulation là, il y a pile machine sans plaque que la police arrête. On parle concernant les écoliers qui étaient journalistes à la station, qui suivent bien dans le dossier ça. Donc, nous pas trop intéressés à dossier ça parce que son interpellation et puis après ça, il est libéré. Mais la question, vous connaissez? Je suis libéré. Et qui ça nous va mettre business là? Avec les bandits Chadayo. Donc, vous mettez mes sur pour aller répondre à la question de la justice. Dans ça, avec Mackenzie Almonor alias Tifetier, individu ça, c'est un qui a plusieurs dossiers sous dol. Par exemple, 26 décembre 2020, c'est lui qui t'a tué par balle, l'inspecteur Telfort Ferrer, qui était responsable BI. C'est même individu ça, Almonor, qui t'a tiré ancien policier Léon Jacques, qui était devenu un businessman, dans rue 5 et 6 L. Donc, j'étais pour aller, c'est Cob qui était dans main et businessman. L'information nous a gagné toujours, c'est lui-même qui a tiré le policier Abdias qui était affecté dans le polyfon dans la zone nord-est. Et là, nous avons cherché l'information toujours. Nous avons joint que c'est Mackenzie Almonor alias Tifetier qui était tué par balle Claudette Préville et Thomas Lozier, deux personnages qui étaient sortis aux États-Unis dans la date qui était 10 octobre 2020. Et sur route nationale là, en face et Riel Nazareth, Vertière. Donc c'est un individu qui chargé avec dossier sous dol, puis fort Zach qui t'a fait la ville là, braquage, c'est lui-même qui t'a à la tête de bandit, groupe bandit. La police dans la zone et Grand Rivière du Nord, alors dans la commune Grand Rivière du Nord, procédé à arrestation yon chef gang qui était affilié avec groupe Agivit, Jean Luxon alias Sonson. Et nous avons l'information qu'il était impliqué dans la mort tonton Louis Doméis qui était fait dans la Grande Rivière du Nord, alors dans la section communale de la Grande Rivière du Nord. Donc, individu ça, on a répondu à une question de la justice pour dire effectivement qui ça yo, dans qui ça yo impliqué. Donc nous-mêmes, nous avons des informations pertinentes que c'est des mouns qui impliqué dans le type de zap que ouais, nous sommes cités là. Merci. Il a dit que la police va faire arrestation et écoutez, on sait un petit bon port à jouer une arrestation.
Et information ça, il est arrivé jeune nous effectivement, mais t'as semblé que c'était la police en Nord-Est qui voyait information, mais information va confirmer. Moun qui interpellé a c'est un autre individu qui semblait avec elle, mais il était interpellé pour contrôle d'identité, mais c'est pas lui même réellement. Donc la police a continué chercher monsieur. Nous connaissons la police a fait un travail longtemps pour avoir inspecté le mourir, mais moi dans tout le monde avec ce dossier ça. Alors nous pas des chiffres là devant nous là, mais il y a un peu de monde dans quatre dossiers inspecteurs qui a arrêté déjà. Mais et Mackinson lui-même lui dit a parlé, il dit effectivement c'est lui-même qui tue à main inspecteur. Donc vous connaissez, il y a une association qui a fonctionné, son groupe agit vite qui n'en bloque et laisse et cap haïtien cap fonctionner. Donc autant que et n'a metté main sur autant que n'a bien information. Mais nous dit il est mort, mais quoi il fait parler pour dire que c'est avant nous t'ai gagné information sur lui. D'accord. Avant de te faire. Il part mourir tout de suite, je t'ai amené à l'hôpital. D'accord. Maintenant, Antoine, tu parles pour des sacs bien à ouais, à tout ça, bye. Vite, il était remarqué, pour presque sans plus qu'il fait pour des machines, il y a plus de machines, mais au cas où, pas presque pas rien qui fait. Est-ce que au cas pas de pas dans le tout, il y a un peu plus? Au cas, il est dans mes yeux, parce que si vous regardez, premier mois après détecter les machines, après que je me définis par les deux. Et dossier ça dans la radio contact inter, c'était moi-même. Directeur départemental là, qui était devant, moi je viens suivre lui, commissaire, assistant, suivre lui, etc. Donc, si vous avez quelques monde qui pourront détecter, m'assure que la police a travaillé et vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez aidé en pile opération que la police a mené dans le cas. Matin, devant et local IDM, la police a fait une opération comme ça. Et je connais les gens qui ont quitté les plagues. Donc la police a détecté toute machine qui est dans le pays. Donc les policiers autour qui ont une machine qui a pris la police a détecté tout le monde. Sauf ça qui a un problème sans plaque là, c'est que la police saisit la question. Mais mon problème jusqu'à présent, que pour résoudre, il y a un peu de monde qui a peut-être cabaret plaque. C'est des gens qui font des demandes de plaques qui pour gagner. Mais la police prend toutes mesures pour contrôler le type de machine. Ok, vous avez fait une machine en fait 6 mois, 1 an sans plaque. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas une plaque là toujours ou c'est la police qui voulait la plaque là? Normalement, 6 mois d'information comme ça, je vais la police arrêter. Parce que nous avons des là, sous côté dans le service de circulation là, il y a pile de machines sans plaque que la police arrête. Par contre, concernant les écoliers, qui était journalistation, qui suit bien le dossier ça. Donc, nous pas trop intéressé à dossier ça parce que son interpellation et puis après ça, il est libéré. Mais la question, on y connaît. Il est libéré. Et qui ça nous va mettre des essais qui t'a pris du temps dans ça. Il y a une enquête toujours qui a pour faire suite à dossier ça. Merci, papa. C'est moi qui pourrais mettre.